Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aurai les meilleurs pouvoirs du monde. Oui, littéralement les meilleurs pouvoirs. J'ai ajouté un bâton magique qui me permet de me transformer en tous les mobs custom que je veux. Je peux me transformer en tigre, en dragon des mers, enfin bref, en plein de trucs. Mon but, ça sera simplement d'aller fumer l'Under Dragon. Voilà, c'est tout. J'ai spawn avec un super bâton. Regardez comment il est beau. Quand il est géant dans ma main, ça me tue. Ah, il y a un mec derrière moi, je pense qu'on va lui parler. Salut mec, je suis Ninjax, le plus sympa des sympas. Eh, hey, ça fait 10 minutes que je t'attends. Ah ouais, mais non, mais c'est chaud, ils me parlent maintenant les mobs. Ok, c'est l'heure de mon speech. Jeune héros, tu es le nouveau détenteur du changeur de forme. Avec la magie du bâton, tu vas pouvoir changer de forme à volonté. Ok, il est chelou votre pote. Il appartient à qui le vieux là? Faut le ramener à la maison. Par contre, tu possèdes maintenant une malédiction. Il m'écoute même pas quand je parle. Oh, réponds-moi le vieux. Où habites-tu? Je te ramène chez toi. Si tu tues pas l'Under Dragon dans l'heure qui suit, tu meurs. Ah mais c'est pas ouf ça, genre pas du tout. Mais bonne nouvelle, retrouve les 4 pierres de pouvoir et fume l'Under Dragon pour éviter ça. Ok, je note, c'est plutôt bien. Oh, fallu juste que je clique sur lui. Et ça, c'est toutes les transformations que je peux prendre, d'accord, incroyable. Alors, il y a des mobs qu'on connaît, mais d'autres que je connais pas du tout. Il y a un orang-outan MDR. Je vais prendre un requin, j'ai envie de le prendre. Je vais prendre le Adjudicator, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Faut prendre des trucs qu'on connaît pas, hein. Le Rootling, là. Je peux en prendre combien, là? Parce que j'en ai vraiment pris beaucoup. Je peux prendre quoi d'autre, là? Prendre l'orang-outan, hein, je pense, hein. Oh, c'est bon. J'ai tout pris. Donc là, normalement, je peux me transformer en mob que je veux, c'est trop bien. Alors, on va aller récupérer du bois. Ouah, il y a un slime de miel. Salut, mon pote. Tu veux me faire un câlin? Oh, il est tout mignon, il me tape pas. Oh, j'ai récupéré un bloc de miel, je le savais. Ça servira à amortir ma chute si je dois faire des très grandes descentes. Bon, le concept est cool. Je vais pouvoir changer de forme. D'ailleurs, attendez, vu que j'ai pris un orang-outan, hop, on prend mon bâton. Voilà, là, il y a tous mes trucs. Et je peux me transformer en orang-outan. Ah, je suis mort. Je suis un orang-outan pour de vrai. Bon, normalement, j'ai des habilités. Je sais pas comment ça fonctionne. Oh. Oh oui, je peux monter. Ok, d'accord, je peux faire des trucs comme ça. Bon, on va se retransformer en humain. Bam, voilà, nickel. Alors, comme le monsieur a dit, j'ai une heure pour finir Minecraft. Faut que j'aille trouver des pierres. Je vais pas vous mentir, je sais pas du tout où elles sont les pierres. Mais on va chercher, on va trouver. Non, hein, j'espère en tout cas. On récupère juste de la pierre en légende. Paf, la pioche et la hache, c'est fait, nickel. Découvrons ce monde incroyable. Il y a des oiseaux et des moutons chelous. Salut. Bah désolé, je te bute, hein. On va aller là-bas, je sais pas pourquoi, ça a l'air plus accueillant que tout le reste. Alors, je vais checker un petit peu mes transformations. Oh, il y a des moutons de couleurs, de toutes les couleurs. Attendez, vous allez me donner toutes les laines du monde? Oh, ça m'a donné une laine multicolore. Désolé, je vous bute, hein, mais j'en veux. Et toi, il y a même des poules cheloues. Mais il y a trop de trucs à regarder ici, c'est trop bien. Je disais, je voulais tester mes transformations. Si je me transforme en creeper, par exemple. Je sais que c'est basique, le cochon, là. Oh, je peux exploser, c'est trop bien. Ok, ok, ça je valide de fou. Donc, chaque mob que je vais avoir aura une capacité particulière. C'est incroyable. Si, j'essaye ce petit machin, là. Oh, je suis tout mignon. Par contre, j'ai 5 coeurs, donc c'est pas fou. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, il me tire dessus, wesh. Hop là, ça dégage. Ok, avec ce machin, je peux faire pousser des trucs. D'accord, c'est intéressant. Oh, mais attendez, c'est une idée de fou. Oui, ça fait pousser. C'est trop bien. Oh, lâchez-moi les mobs, s'il vous plaît. Je m'amuse à découvrir mes pouvoirs, là. Ok, bon, j'ai plein de pouvoirs et ça, c'est cool. Et ça me termine, comment il court, lui. On va essayer de trouver les objectifs. On va juste se balader et on va voir ce qui se passe, hein. Hop, on va reprendre forme humaine. Salut tout le monde. Oh là, j'ai trouvé un truc chelou. C'est une maison, je dirais. Mais une maison cassée, par exemple. Ah, il y a une sorcière à l'intérieur, j'ai entendu. Alors toi. Bam, surprise! Donne-moi ton butin! C'est bon, je l'ai buté. Il n'y avait pas des coffres, je crois que j'ai vu des coffres. Oh, il y a un chapeau de sorcière! Ah, je le prends direct. Ah, est-ce que je vais être belle? Oh, je suis super belle. Ah, il va déjà faire nuit, c'est là, ça pue du cul en fait. Il y a quoi là-dedans? Potion de lumière! Waouh, c'est stylé ça! Genre, si je les balance, ça fait de la lumière? Ouais, ça fait des trucs extrêmement terrifiants plutôt, je vais pas les utiliser. Partons à l'aventure, c'est tout ce qu'il nous faut. Ça pue la merde, il fait nuit, je suis toujours dans le marais là, bloqué. Oh, le squelette commence pas. Attendez, vous savez quoi, j'ai une idée. Hop, on va se transformer, on va le fumer. Qu'est-ce que j'ai pas testé? Le gros golem. Viens, viens maintenant, viens. Tiens, ça dégage là, boum, y'a plus de squelette. Je suis trop stylé en gros golem. Pourquoi j'ai eu des lingots de fer aussi? C'est quoi ce délire? Regardez ma tête, ça me termine. Ah, oh, je peux manger les. Ah, oh, je peux manger les minerais. D'accord, ce golem a l'air très fort, mais je peux bouffer les minerais avec. Ah, mais y a une maison ici, j'ai pas vu. Oh, dites-moi qu'il y a un lit. Oh non, il y a une autre sorcière. Attendez, je vais aller lui parler, elle. Je suis là pour la paix, pas la guerre. Que fais-tu dans mon marais? Je suis celle qui possède la pierre d'océan, donc je pense que tu me dois le respect. Tu es venu ici pour ça, non? Ouais, j'en ai besoin pour mon bâton et pour sauver l'univers. Bon, j'ai ajouté le dernier truc, j'ai pas vraiment besoin de sauver l'univers, mais voilà. Réponds à mon énigme et je te donne la pierre. Oh, mais c'est chiant, j'ai la flemme, je vais juste te fumer, hein. Quel est le chiffre préféré des vampires? Ok, je vais te buter. Désolé, ton énigme, je veux pas la faire. Meurs!
Donne-moi la pierre. Putain, elle avait pas la pierre sur elle. Elle l'a forcément dans son coffre. Oui, let's go, il y a une pierre. Alors c'est la Ocean Stone. Donc ça c'est bien parce que j'ai eu la première pierre sur 4. Normalement avec cette pierre je peux améliorer mon bâton, mais je sais pas du tout comment ça fonctionne. Donc je vais la garder pour l'instant et puis voilà hein. C'est pas grave, partons d'ici, j'ai mission accomplie on va dire. Alors si je dis pas de conneries, il y a des citrouilles juste devant moi. Dis citrouille, dit peut-être un village. Après faut toujours réussir à le trouver hein. C'est quoi cette vache wesh? Elle est terrifiante, on dirait un taureau vache. Qu'est-ce que j'ai pas essayé? J'ai pas essayé lui là, l'adjudicator. Qu'est-ce que ça fait? What the... Wow, je suis un vieux pillager qui vole, c'est quoi ce délire? Bon je sais que t'es mon pote le truc de slime, mais tu peux partir s'il te plaît? Elle est vache, bougez pas. Oh, ok d'accord, je suis un vindicateur. Ok c'est trop bien. Mais c'est trop bien les pouvoirs que je peux avoir avec les mobs. D'accord, je note, celui il est stylé. On va rester un peu comme ça là d'ailleurs. Hein. Je vais aller explorer le désert, c'est un biome que j'ai pas du tout fait. Je vous rappelle que je dois trouver la lave, la forêt et la cave que je viens d'avoir à la pierre d'océan. Que j'ai subtilisé à une sorcière d'ailleurs. Hein. Pour moi, il y a peut-être la pierre de cave dans un biome désert, je sais pas. En vrai, faut juste que je fouille. What the fuck? Regardez ce qu'il y a là-bas. Il y a une pyramide géante. Non, mais attendez, ça par contre, c'est une vraie dinguerie. Oh, je suis trop curieux de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh là, je suis tombé sur de la redstone, c'est pas bon plan ça. Ah bah j'ai trouvé ce qui active la redstone. Oh oh c'est bon je suis... Spawner ça se casse. Bonjour. Il y a des squelettes de fou là wesh. Oh ils m'attaquent pas parce que je suis avec eux. Alors là je vais tellement en profiter. Alors messieurs ne bougez pas s'il vous plaît. Dans un premier temps je vais casser tous vos spawners. Genre vous deux. Bam. Allez c'est bon moi je vous fume maintenant. J'avoue ils s'entretuent. Mais ils s'entretuent c'est con. Mise 10 balles sur le squelette. Ouais c'est le squelette qui a gagné. Allez hop vous me devez tous 100 balles. Faites-moi confiance. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a du stuff mais bon. Press me. Alors non je vais pas te presser parce que je sais que ça active des TNT. En fait ça le lâche. Et lui qui s'appelle ne m'actionne pas. Donc lui je pense que je peux l'actionner. Ça a ouvert une trappe. Avec un coffre voilà je le savais. Ok je vais finir de fouiller les coffres et on va se barrer de là hein. Je vois pas d'autre chose à faire hein. Oh, il y avait la pierre ici. La pierre de la forêt. Oh, c'est pas logique par contre. Pourquoi la pierre de la forêt, elle est ici? Ça me fait deux pierres. Ok, plus que deux. Vous en faites pas, je vais réussir à sauver ma peau. Par contre, j'entendais des bruits qui venaient d'en haut de la pyramide. Est-ce que c'est ouvert aussi en haut? Mais oui, mais il y a carrément des trucs là-haut. Salut. Ok, au-dessus de la pyramide, il y avait des coffres de partout. Oh, il y a des diamants. Ok, ça, je prends tout. Moi, je prends tout. Hein. Tellement du stuff gratos, moi, j'adore. Hein. Let's go. J'ai bien fait de la fouiller cette pyramide. Allez, je me casse. Il faut que j'aille chercher la troisième pierre, mais j'aimerais bien trouver un village pour comprendre comment ça fonctionne là. Parce que j'ai les pierres, mais je sais pas comment les faire fusionner avec mon bâton là. Hein. D'ailleurs, j'ai plein de flèches sur la gueule. Trouver un village, ça devrait pas être très dur. Comme j'avais espéré, bah c'était pas très dur à trouver un village. Énormément de bouffe. Ouah, c'est trop bien. Attendez, j'ai une idée. Je vais mettre en creeper. Voilà, nickel. Comme ça, les mobs vont pas m'agresser. Eh, mon pote creeper, viens voir. Oh oui, il m'agresse pas. Ouais, c'était pour me venger, c'est tout. Est-ce que je peux dormir en étant un creeper? Par contre, ça serait très drôle. Maison du vieux mage? C'est toi le vieux mage, en fait? Alors, dans son coffre, il y a que des cactus. Ok, ça pue un peu du cul. Mais il y a surtout ça, upgrade staff. Oh, c'est pour améliorer mon bâton, je pense. Oui, oui, je pense vraiment que c'est ça. Mais pourquoi ça veut pas le faire? Bougez pas, et je vais chercher la solution. Bon, j'ai réussi à combiner les deux pierres. Fallait les faire dans un ordre précis et je savais pas. Donc maintenant, mon bâton, il est forêt plus océan. Je vais récupérer ça parce que c'est giga important. Ça me permet de combiner les pierres pour mon bâton. Et je vais vous montrer mon bâton. Regardez, c'est une dinguerie. Regardez toutes les transformations que j'ai eues. J'ai eu ce machin qui est un Sea Dragon. Je peux même me transformer en orque. Je suis gigantesque. C'est abusé. Je vais mourir si je vais pas dans l'eau. Donc on va se détransformer en vite fait. Voilà. Le pouvoir des pierres permet d'améliorer mon bâton. Ça c'est nice. Je vais en profiter pour me faire du stuff. Au moins le plastron en diamant. Nickel. Voilà là. Maintenant je suis super beau non? Dites que je suis beau sinon je vous fume. Bon maintenant je suis armé équipé. Mon bâton j'ai plein d'améliorations là. D'ailleurs pour commencer je vais me transformer en ce truc. C'est un straw golem. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh je suis trop badass. Wesh les potes. C'est Ninjax Barak. Je vais essayer directement d'aller trouver la prochaine pierre. Il me manque la cave et la lave. Où est-ce que ça pourrait être? On a aucune idée. D'ailleurs, sous cette forme, je me suis rendu compte que je perdais pas de bouffe, donc c'est parfait. Mais surtout, j'ai trouvé une maison très chelou. Mais surtout, depuis tout à l'heure, il y a une boss bar de Iron Slime et j'essaye de le chercher. Je le trouve pas, mais je pense que c'est cette maison. Hein. Oh, qu'est-ce que tu veux, toi, frérot? Tu vois pas que je suis un giga golem? Il veut... T'es mort. Bam, je suis un requin, qu'est-ce que vous allez faire? Oh non, ça c'est... Wow! D'accord, je peux faire des dashs. Ça c'est giga stylé par contre. Bon, on va arrêter de s'amuser parce que je m'amuse un peu trop là. Hop, on se transforme en humain. C'est là-dedans le Iron Slime? C'est dans cette petite cabane toute dégueulasse? Bizarrement, je pense que j'ai la réponse. Je pense que c'est dans la cabane dégueulasse. Je me permets de rentrer. C'est un abri? Mais c'est trop stylé. Oui, il y a des lits. Ok, parfait. Hop. On va aller fumer l'Iron Slime maintenant. Qui est juste à côté de l'abri, c'est trop bien. Pour l'Iron Slime, je vais me transformer en quoi? Il faut un truc assez fort. Hein? Je peux me transformer en abeille maintenant. Non, attendez, j'avais même pas vu. Oh, je peux voler. Oh, c'est trop stylé, ça. On va pas se transformer en abeille, mais je pense qu'on va se transformer en tigre. Ok. Ninjax au tigre, il va tout fumer, là. Bon, déjà, il est bloqué dans des toiles d'araignée, mais tranquille. Bonjour. C'est terrifiant. J'arrive pas à comprendre. Oh là. Oh.
Oh, c'est lui l'Iron Slime. Oh, mais mais c'est quoi ce bordel? J'ai l'impression qu'il est résistant. Il m'a vu. Ah, je suis bloqué dans une toile d'araignée, lâche. Je sais pas si le tigre c'est le meilleur truc pour ça. Meilleure idée, je vais peut-être me transformer en golem de pierre, hein. Ouais, voilà, ça peut être utile. Regardez, il est insensible aux flèches, le machin lui tire dessus, ça marche pas. Oh mon dieu, il m'a déboîté. Pourquoi il m'a fait si mal? Il m'a fait giga mal. Attendez, je pense qu'il faut pas se transformer en golem de pierre. Je vais tenter un truc, je sais pas si c'est la meilleure idée. Oh shit, il m'a déboîté. J'ai pas d'idée, il a l'air trop fort ce truc. Bah voilà, il m'a fumé en fait. J'ai compris. Il fallait que je me mette en gorille. En gorille, je prends zéro dégâts, je sais pas pourquoi. Et pour le fumer, en fait, il faut que j'utilise la pioche. Bon, ça, c'est un petit peu logique. Il me défonce quand même, hein. S'il te plaît, je veux juste fumer. Viens, vas-y, viens, regarde, je me mets dans le coin. Et toi, tu viens à moi et je te tape. Ah, ce combat va être long. Oh, je vous le dis, il va être très long. The next day. Non. Non, j'ai pas triché, hein. Oh, c'est bon, il était trop chiant. Oh, dis-moi qu'il y a la pierre là-dedans, une pierre, juste une pierre. M'en fous de laquelle, j'en veux une. Oui, il y a la pierre d'océan. Non, c'est bizarre. Ah non, c'est la cave stone, d'accord, il m'en manque plus qu'une. Plus qu'une et j'ai fini avec les pierres, et ça, c'est trop bien. On va rester en gorille, hein, vous savez quoi. Au moins, avec lui, je sais que je suis fort, donc je vais tabasser la gueule de tout le monde. Je pense qu'elle est dans le nether, j'ai un peu le seum, mais bon. Donc on va dormir et on va aller dans le nether. Hop là, un bon dodo bien mérité, ça c'est ok, ça. Ok, juste avant d'aller dans le nether, boum. Cette petite... Oh, arrêtez de me faire chier, s'il vous plaît. Cette table, plus mon bâton et la pierre. Ça me donne l'amélioration de la cave. Oh, je peux me transformer en gobelin. Salut, c'est moi, Ninjax le gobelin. Qu'est-ce qu'il fait, le gobelin? Il a des particularités ou il fait rien du tout? Je pense qu'il sert à rien, voilà. C'est juste un gobelin, quoi. Je peux me changer en rat géant aussi. Oh, il est pas très géant, le rat, non? Je suis un peu deg. C'est quoi, on va aller dans le nether en tant que rat, voilà. Allons chercher cette dernière pierre de pouvoir, là. Mais il y a une pancarte qui me dit la pierre est là. Mais ça me fume, le mode est incroyable. Hop là, regardez. Meilleure transition, on se transforme en chauve-souris géante. Allez, c'est parti. Là. Je pense que ça va être beaucoup plus facile de trouver la pierre comme ça. 3 hours later. J'essuie le chemin et j'ai l'impression que c'est ce truc là. Oh, ça me rappelle vaguement un truc, ça. Genre, ça me rappelle vraiment vaguement un truc. Dans le sens où c'est un boss, je crois, si je dis pas de conneries. Un boss très méchant. Je vais me transformer en Piglin Beast. Seul truc que j'ai pas fait. Oh, toute la vie que j'ai. Voilà, c'est dit, je vais lui péter sa gueule. Parce que à l'intérieur de la pierre là, il y a une main géante trop stylée qui va nous agresser. Eh, c'était ça. Salut mon pote. Oh là là, j'ai oublié qu'elle est terrifiante. Alors, je crois qu'il m'attaque pas parce que je suis un piglin. Voilà, boum. Oh, la vie que je lui ai enlevé, wesh. Attendez, dans mes souvenirs, elle était beaucoup plus forte que ça. Bon, elle me fout des gros coups de poing, ça c'est vrai. Comment je vais faire? Parce que j'ai pas d'arc là. Faut que j'attende qu'elle vienne au corps à corps forcément. Ah, elle fait des rayons laser, j'avais oublié. Ok, on se cache. Wow. Aïe. Non, j'arrive pas du tout. Vas-y, ouvre. Boum. Ok, en fait je peux peut-être le buter sans. Boum! Oh là, qu'est-ce qu'il fait? Il est terrifiant, il vient de faire un truc bizarre. Ah, je vois plus rien! Allez, je vois plus rien, je prends des dégâts. Vas-y, fonce! Boum! Je l'ai eu! Est-ce que je l'ai eu? Ah, il a explosé! Let's go! Je savais que le boss piglin était une bonne idée. Après, j'ai perdu 0 PV, donc bon, voilà. Ah, j'ai perdu mon chapeau de sorcière, il me l'a cassé. Ok, le coffre. Alors, j'ai eu la lava stone, ça c'est ce que je voulais. Et j'ai eu un truc qui s'appelle un blazing eye. Ok, on peut se transformer en abeille, tiens. Allez hop, et on se casse de là. Youpi! J'ai toutes les pierres, on va aller fumer l'Under Dragon maintenant. Et voilà, nickel, je suis retourné à la casa. On va améliorer le bâton. C'est bon, j'ai le bâton tout amélioré. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Toutes les transformations que j'ai, mon dieu. Je peux me transformer en Wither. C'est fumé. Est-ce que je peux utiliser les trucs du Wither? Oh, je peux utiliser les trucs du Wither. Ah non, mais c'est trop puissant ça. Par contre, je suis vraiment trop cheaté là. Je transformais un truc qui s'appelle Withered Necromancer. Aïe. Ok, je peux tirer des flèches et ça invoque des créatures. Wouah, trop bien. Je pense que je suis prêt pour aller fumer le Nord Dragon, donc on va y aller. Hein. Allez, viens, machin, on y va. Comment tu t'appelles? Wither Puppet. Bah, viens, on y va là, on se casse. Alors, le portail se trouve littéralement dans l'eau. Je trouve ça plutôt marrant. Mais bon, on s'en fiche. Boum. Allez, on y va. Comment je vais lui tabasser sa gueule? D'ailleurs, je vais direct me transformer en abeille. Salut tout le monde, salut. Salut l'Under Dragon, bouge pas, je vais juste péter tes piliers. Ça va être rapide, vu que je vole. Wow. Il a l'air un peu plus fort que d'habitude. Il a tiré deux boules de trucs là. Ah oui, mais il a l'air vraiment plus fort. Il tire des. Tu arrêtes de me tirer dessus, frérot. Laisse-moi juste casser tes piliers. Non, je sais pas. Fais pas ton lâche. Hop là, tous les piliers sont cassés. Wow. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? Ah oui, j'avais pas vu en bas. Oh, heureusement que je suis pas descendu. Moi, j'ai une idée. Boum, on va se transformer en lui. C'est moi le big boss ici là. Allez-y mes puppets. Fumez-les tous les mobs là. Il y a des zombies chelous. Fumez l'Under Dragon maintenant. Ok, ça va. Je lui fais raisonnablement mal. Je fais même très mal en fait. Ah, il se casse déjà, se lâche. Oh, le Blaze Guardian, c'est quoi ça? Oh là, salut. Oh, je peux tirer des boules de feu. Ok, ça c'est plutôt bien parce que je peux vraiment tirer des petites boules de feu. On va lui casser sa gueule. Aïe. Il casse ma gueule à moi plutôt, ouais. Je sais pas pourquoi, mais je fais giga mal, hein.
Aïe! Heureusement que j'atterris sur une tour. Un malade cet Under Dragon, il a failli me tuer là. Qu'est-ce que j'ai pas testé qui pourrait être marrant? Non, en vrai de vrai, je vais le buter en tant que golem. Voilà. Vas-y, viens ici là, bouge ton cul. Oh là, oh là, y'a un mec, hein, y'a un chevalier qui vient me. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il a l'air très résistant. On va fumer l'Under Dragon. Non! Non, reviens ici! J'ai pas fini, il faut que je te fume! Dépêche-toi de revenir au milieu, j'ai pas que ça à faire! Il y a même 40 000 Underman qui veulent te tuer là! Et ça lui fait vraiment beaucoup de dégâts, hein, j'aurais pas pensé, hein! Oh oh oh, on va le finir! Aïe, aïe! Mais c'est un malade! Ah, vite, 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 je le finis! Ok, 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 ok! Non! C'est toi contre moi! Non! Ma money donc jiggle jiggle, it fold, I like to see you wiggle wiggle, for sure, it make me want to invade the world, you know, why did my fiat, we have fiat, 6 feet 2 in a compact.